Alors tout d'abord, on va commencer par Dr. Ben Abdelkader El-Mahat Majda. Fadal madame, c'est Israël. On applaudit Dr. C'est bon, voilà. Alors, Dr. Majda, ou bien Majda au Libanais, médecin, enseignante, docteur d'état en médecine. Elle exerce la médecine, effectivement, et puis elle enseigne aussi. J'enseigne. Elle m'a madame, m'a dit, qu'est-ce que alors, Asmi Tunisia, française, Omine française, Baba Tunisia, ou Raj Libanais. Donc, Raj Libanais, m'a dit, c'est donc, c'est mon nom, il y a un arabe, présente la famille commune. Alors, un petit peu de la Maya. Maya, donc, elle est française, elle est tunisienne, elle doit prendre le côté tunisien de sa mère. Et elle est libanaise aussi, puisque mon mari est libanais, son papa est libanais. Donc là, elle va représenter la France. Moi, le Liban, mais moi, je représente tout le monde. Hein. La Tunisie, le Liban. C'est diplomatique, ça. Et j'ai ma fille, ma seconde fille, Manal, qui est pareille à Maya, donc qui a les trois nationalités. Voilà, et donc on est là avec grand plaisir, surtout que c'est mon pays. Laissons de côté le Liban et la France, pour moi, c'est la Tunisie, de tout cœur. À vous la scène. Oui. Donc, comme l'a fait remarquer M. Zouhair, nous allons aujourd'hui, donc, dans notre conférence, ce n'est pas notre conférence, c'est la vôtre, puisque nous allons travailler tous ensemble, sur quel donc, thème. Donc, on va voir les effets des risques psychosociaux sur la santé des travailleurs. Alors, comme l'a déjà noté M. Zouhair, la Journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail, commémorée ce jour, le 28 avril donc 2023, qu'est-ce qu'elle va on explore le thème d'un environnement de travail. Parce qu'on enregistre la vidéo, n'est-ce pas? On explore le thème d'un environnement sain, sûr et sain en tant que principe et droit fondamentaux au travail. Donc, nous allons traiter ce thème selon un plan. Au tout début, on va expliquer ce que sont ces risques psychosociaux, ou communément appelés RPS. En second lieu, nous allons voir d'où viennent-ils, comment agissent-ils, puis on va passer aux 6 catégories de facteurs psychosociaux. Et enfin, nous allons voir les conséquences, c'est la partie la plus importante, de ces facteurs sur la santé, pour voir aussi et avoir une idée sur les questions que peuvent se poser les salariés, selon le stress qu'ils vivent. Et on va donner quelques exemples concrets sur des salariés qui ont vécu des situations de stress permanent. On va finir par le côté prévention, comment arriver à bien-être dans le travail. Voilà, donc, mais tu n'es pas en train de passer. Voilà, alors, tu ne passes pas la partie. Alors, les organisations se transforment, le travail évolue, les risques professionnels aussi. Depuis une vingtaine d'années, donc, le stress et plus largement les RPS sont apparus donc, comme un principe donc, fondamental pour de la vie au travail, que ce soit dans les organisations ou dans les administrations. Donc, ce sont des résultats de la complexité grandissante des tâches, de la réduction du temps de repos, de la complexité donc, et des exigences accrues de la clientèle. Alors,
Comment est-ce qu'on va les définir? Premièrement, et plus important, ce sont des risques professionnels. Hein, on va voir le stress en lui-même, ce n'est pas une gâterie, ce n'est pas un défaut de compétence, c'est un risque professionnel. Donc ce sont des risques professionnels. Ils se développent en fonction donc de la culture, des politiques, des attentes et de l'attitude sociale donc, qui sont adoptées par l'organisation. Nous avons une mise en jeu, ce qui est important, que ce soit de l'intégrité physique et de la santé mentale des salariés. Et ce sont des conséquences de l'organisation, des conditions de travail, des facteurs organisationnels et relationnels, donc susceptibles d'interagir avec le fonctionnement mental du salarié. Et il y a surtout un impact sur le bon fonctionnement des entreprises, c'est ça qui est gênant. Et c'est un ensemble de phénomènes qui regroupe des troubles de la concentration, des troubles du sommeil, une nervosité, un stress, une dépression, un mal-être, un épuisement, pour arriver en fin de compte à un burn-out. Et nous allons voir ce que c'est qu'un burn-out. Et puis enfin, et malheureusement, même à des tentatives de suicide. Et là, donc, d'où est-ce qu'ils viennent ces risques psychosociaux? Donc nous avons là, premièrement, les exigences du travail qui deviennent de plus en plus compliquées, de plus en plus difficiles à gérer. L'environnement de travail, hein, ce n'est plus l'environnement de travail depuis 20 ans et plus, c'est plus complexe. La prise en compte des qualités, donc des attentes, hein, des salariés, les changements dans l'entreprise, qui sont assez fréquents, des situations de travail où sont présents le stress, les violences internes et les violences externes, même en dehors de l'entreprise. Et il faut noter que les femmes, hein, qui sont employées dans les administrations, elles sont statistiquement plus nombreuses et plus exposées, pas plus nombreuses, plus exposées donc à des violences que leurs collègues masculins. Donc, d'où viennent-ils, hein, juste pour récapituler, les exigences du travail, l'environnement, donc on relie exigences et environnement, et puis vous avez le salarié, la prise en compte lui-même de ses attentes, les changements dans l'entreprise, et comme j'ai dit, il faut insister sur le stress, violence interne, violence externe. C'est quoi les changements dans l'entreprise ? Alors, on va voir les changements dans l'entreprise, que ce soit les postes, hein, on change, ou alors des effectifs, hein, qui sont mis dehors, d'autres effectifs qui rentrent dans l'entreprise, un boss qui est nouveau. D'accord. Alors, tout ces remues, ces sortes de changements qui peuvent gêner, hein, au travail du salarié. Alors, pour ce qui est des statistiques, ce sont des statistiques qui ont été faites parmi les actifs français en 2019. Donc vous voyez là, 45% des salariés disent qu'ils doivent toujours devoir se dépêcher. Hein. Alors, toujours ou souvent, vous allez me dire c'est normal, on est toujours en train de courir. Mais là, quand 45% disent presque toujours, là, ça pose un problème parce qu'on se dit, ce pauvre type, il va avoir un stress, hein, si c'est comme ça. Alors, en deuxième lieu, pour les grandes statistiques, on a 30% qui déclarent avoir eu au moins, hein, dans les 12 derniers mois, un harcèlement, hein, au niveau du sein même de l'entreprise, un comportement hostile au sein même de l'entreprise. 27% disent devoir cacher leurs émotions, hein, d'être toujours de bonne humeur, même s'ils ne sont pas vraiment de bonne humeur, s'ils sont surpassés par le travail, ils doivent sourire, ils doivent être là, et un peu dans tous les secteurs d'activité. Alors, vous avez 27% qui se disent faire appel à un tiers lors de problèmes qu'ils retrouvent dans son travail.
20% craignent pour leur emploi. Hein? Ils sont effrayés de perdre leur emploi. S'il y a l'insécurité de leur travail, bon, ça, ce sont les grandes statistiques qu'on doit retenir. Alors, comment agissent-ils? Alors, vous voyez, d'après le schéma qui est mis là, hein, c'est pas la belle humeur. Vous imaginez des gens à côté, hein, dans un bureau, et ils se chamaillent, Alors, les facteurs de risque psychosociaux peuvent se compenser. Par exemple, les exigences sont élevées, mais le soutien social, il est de bonne qualité. Là, il y a un équilibre qui se fait. Il n'y a pas vraiment de stress. On va voir qu'il y aura plutôt de la motivation. Et puis, ou au contraire, sont renforcées, les exigences sont élevées, mais le soutien social, donc, il laisse à désirer. Et il y a absence de reconnaissance de la part de l'administration. Et enfin, les RPS sont d'autant plus toxiques s'ils sont subis et s'ils sont nombreux par accumulation. Mais la chose la plus importante, il ne faut pas oublier que lorsqu'ils sont subis, ils sont vécus plus difficilement. Hein, subis et nombreux, trop c'est trop. Alors voilà, alors les idées reçues. Hein, tout le monde a ses idées. Alors, en finir avec les idées reçues. Alors là, qui se dit, un peu de stress, c'est motivant. Ah oui, un peu de stress, c'est motivant. Moi, je suis stressée dans on va voir un graphique tout à l'heure. C'est motivant parce que ça me permet, hein, de travailler, ça me permet de donner un maximum de moi-même. Mais c'est OK. Un peu de stress, c'est motivant. Moi, je suis d'accord. Alors, le deuxième cas, les risques psychosociaux, ce n'est pas si grave. Mais non, c'est grave. Et ce sont des risques professionnels. Donc, il faut pas les négliger. Il faut pas dire que ce n'est pas de grande importance. Mais si, le stress, ça fait partie du métier. Ça fait partie du métier pour la motivation. Mais ça fait pas partie du métier pour ce qui est de la vie courante. Hein? Lorsqu'on a un projet à établir, ça fait partie du métier, d'accord. Mais quand ça dure dans le temps, non. Alors, là, même dans les métiers très exposés, l'excès de stress permanent n'est pas une fatalité. Ça ne doit pas exister normalement à tout bout de champ. Il est donc possible d'organiser le travail pour éviter donc les conséquences. Le stress, c'est dans la tête. Alors on se dit, s'il est stressé, c'est qu'il a des problèmes, le bonhomme, internes à lui. Donc là, ça dépend. Le stress n'est pas forcément dû à des problèmes personnels ou à l'expression d'une fragilité. Les conditions de travail peuvent, dans plusieurs cas, être à l'origine de ce stress. Alors, les risques professionnels, ça ne concerne pas l'entreprise. Pardon. Ah, oui, j'ai fait un lapsus. Les risques psychosociaux, ça ne concerne pas l'entreprise, mais si, ça concerne l'entreprise. En tant que risque professionnel, ça concerne nécessairement l'entreprise. Hein? Donc, il faut accepter cette idée dans la tête parce que l'entreprise, dans ces cas-là, doit revoir son organisation, doit revoir sa façon de marcher pour pouvoir résoudre le problème du stress. Les RPS, ne pas en parler évite les problèmes, mais non, si on n'en parle pas, on va s'enlisser dans le stress. On s'enlise dans le stress et on ne s'en sort plus. Et là, c'est grave. Alors, le stress au travail, c'est toujours la faute du chef. C'est bien beau, le chef, il est là, on lui dit, on pense, c'est lui le problème, c'est lui. Non, non, il ne faut pas chercher un bouc émissaire. Il faut se dire que le chef, il est là, il travaille comme vous. Hein, c'est un salarié, en fin de compte.
lui aussi, il passe des journées à stresser. Hein, et vous, vous pensez que c'est lui et vous êtes contre lui, mais non. Il faut revoir l'organisation, comme on l'a dit tout à l'heure, l'organisation et le fonctionnement de l'entreprise. Alors, ce qui est très important maintenant, c'est de voir d'expliquer ou de présenter les 6 catégories de facteurs de risque, hein, les plus, 6 catégories les plus importantes. Alors, en premier, l'intensité et le temps de travail peut avoir une surcharge de travail, existence d'objectifs irréalistes ou flous, on vous demande la lune presque, ou alors des longues journées de travail, plusieurs d'entre nous ont dû passer des journées longues qui n'en finissent plus, instructions contradictoires, fais ci, ne fais pas ça, et puis après c'est le contraire, là le salarié ne sait plus où se mettre. Le travail en horaire atypique, c'est-à-dire tard dans la soirée. Imprévisibilité des horaires de travail. On vient vous dire, voilà, demain, vous viendrez de telle heure à telle heure. Et le monsieur, soit il est fatigué, soit, ou la dame, soit il est fatigué, soit il n'a pas prévu de travailler ce jour-là, si tard, mais il est obligé, comme on a dit, de cacher, comme on dit là, le deuxième facteur, exigence émotionnelle. Donc, c'est des tensions, que ce soit avec le public, avec la souffrance ou la détresse humaine. Il va plus reconnaître la détresse humaine ou la souffrance humaine. Si vous voulez, il rapporte tout ça sur le client, que ce soit le client, que ce soit le collaborateur, que ce soit le collègue. Et il doit cacher ses émotions, même s'il est dépassé, même s'il est malheureux, même si il doit tout cacher. En troisième facteur, catégorie de facteurs, le manque d'autonomie. Alors, en premier lieu, ne pas participer aux décisions. On le met de côté, il travaille, point, c'est tout. Ou alors, des faibles marges de manœuvre. On lui donne donc de faibles moyens pour faire son travail. Le rythme de son travail est imposé et donc il ne va pas pouvoir développer ses compétences. Il va stagner et là, c'est très mauvais pour sa santé mentale. Alors, on arrive au quatrième point, rapports sociaux au travail dégradé. On voit nos copains de tout à l'heure, hein, qui se disent pas toujours, hein, on voit là qui se disputent, des relations conflictuelles avec les collègues ou avec la hiérarchie, aucune perspective de carrière, un harcèlement moral continu, des conflits de valeurs, ne pas être fier de son travail, ne pas pouvoir faire un travail de qualité. Et la sixième catégorie de facteurs, la dernière, insécurité de la situation de travail. Et là, c'est primordial. Peur de perdre son emploi s'il est stressé d'une façon continue. Et s'il a cette idée en tête de perdre son emploi, non maintien du niveau du salaire, c'est-à-dire peut-être que l'entreprise est restructurée, ça se répercutera sur son salaire, entre autres. Contrat de travail précaire, le contrat de travail n'est pas indéfini, il est limité, durée limitée ou autre, restructuration de l'entreprise, incertitude donc sur l'avenir de son métier. Oui, oui. Alors, conséquences sur la santé des travailleurs. Là, c'est ce qui nous importe beaucoup. Alors, vous voyez, comme je l'ai dit, il y a la combinaison d'exigences psychologiques élevées, d'une faible latitude de décision, de longs horaires de travail et le déséquilibre des efforts, récompense, peut entraîner, premièrement, des pathologies cardiovasculaires, donc qui est le cœur et les vaisseaux sanguins, maladies coronariennes, ce sont donc les artères du cœur, accidents vasculaires cérébro-ischémiques, hein, on va voir, par manque d'oxygène, peut avoir des AVC, des troubles mentaux,
On en voit souvent. Anxiété, dépression, consommation de psychotropes, antidépresseurs, anxiolytiques et autres. Le diabète associé au stress. Et juste pour une blague, vous rappelez, je ne sais pas, vos grand-mères, quand les grand-mères, elles vous disaient, ou elles ne vous l'ont pas dit, mais elles l'ont dit à d'autres, ne fais pas peur à ton frère, parce que vous vous cachez derrière la porte et vous faites boum, parce qu'il va développer un diabète. Pourtant, elles n'ont pas fait médecine, mais c'est vrai, on va voir comment le diabète peut être déclenché par un stress prolongé. Alors, les mécanismes du stress. Vous avez le stress, c'est un phénomène d'adaptation, donc du corps, qui nous permet de réagir à notre environnement. Donc, on s'adapte pour réagir. Comment ? Notre organisme, donc, répond par un contexte de trois phases. La première phase, c'est la phase d'alarme. L'organisme se prépare soit au combat, soit à la fuite. Il est stressé. Il y a libération de catécholamines. Ce sont, on va voir, des hormones produites par la glande médulo-surrénale. Nous allons voir, dont l'adrénaline, l'hormone adrénaline. On va voir que souvent vous dites à votre collègue, écoute, ne m'embête pas, tu vas me faire monter le taux d'adrénaline. Et on va voir pourquoi. C'est vrai, c'est une histoire. Alors, augmentation de la fréquence cardiaque, de la tension artérielle, de la température corporelle et des niveaux de vigilance, pour être prêt au combat. Préparation de l'organisme, et là j'en viens, comment ? En amenant l'oxygène aux organes qui vont être sollicités. Le muscle, le cœur, le cerveau. Alors, vous voyez ici, alors, ici, vous voyez les reins. Les reins sont coiffés donc de glandes qu'on appelle les glandes surrénales. Alors, ici, vous avez le système nerveux central, l'encéphale. Cette encéphale, en bas de l'encéphale, vous avez une glande appelée hypophyse. Alors, vous n'allez retenir que quelques termes. L'hypophyse va sécréter, à cause du stress, une hormone qu'on appelle ACTH. L'hormone, donc, cortico. L'adrénalo-cortico-tropisme hormone. Ou tropique hormone. Cette hormone va agir sur, d'un premier lieu, la médulo-surrénale. La médulo-surrénale, c'est la partie centrale des surrénales. Alors, donc je voulais expliquer jusque-là. La médulo-surrénale va permettre de synthétiser l'adrénaline d'un côté. Et elle va agir, la CTH, sur la cortico-surrénale, la partie superficielle des surrénales, pour entraîner le cortisol, l'hormone. Ces hormones vont agir par retour, le cortisol va agir par retour sur l'hypophyse. Pourquoi ? Pour avoir une autorégulation, selon l'état du stress. Alors, les mécanismes du stress. Là, on est obligé de connaître un peu les mécanismes. On a ce qu'on appelle la phase de résistance. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a des hormones appelées donc glucocorticoïdes, dont le cortisol, on l'a vu tout à l'heure, le cortisol sécrété par la glande corticosurrénale, qu'est-ce qu'il va faire le cortisol ? Il va augmenter le taux de sucre dans le sang. Tout à l'heure, on avait l'oxygène. Maintenant, ça augmente le taux de sucre dans le sang pour apporter l'énergie nécessaire donc aux muscles, au cœur et au cerveau. La sécrétion de glucocorticoïdes est régulée.
c'est-à-dire au fur et à mesure que le stress augmente, la sécrétion augmente du cortisol. Pourquoi ? Parce qu'il y a des récepteurs au niveau du système nerveux central. La phase d'épuisement, les capacités de l'organisme sont débordées, l'autorégulation des glucocorticoïdes est inefficiente, devient inefficiente, et le corps est submergé d'hormones activatrices, et ce qui peut devenir délétère ou nocif pour la santé. Alors, juste, bon, on peut passer. Ah non, juste une chose, pardon. Ici, vous avez l'alarme, on l'a vu. Hein? C'est le déclenchement du stress, s'il y a une alarme, et en mobilisation avec l'oxygène et autres, et l'hormone adrénaline. La phase de résistance, vous avez le cortisol, avec augmentation de la consommation de sucre, et on a de glucose, et on a le somme. Vous avez fight or flight. Soit vous vous battez, hein, soit vous laissez tomber. Et ce qui m'importe maintenant, vous avez deux étapes. Soit la résilience, le stress s'en va, tout revient dans l'ordre. Soit le stress devient permanent, et c'est ce qu'on appelle l'épuisement, et l'organisme ne peut plus soutenir ce stress, ne peut plus. Alors, ce graphique, juste très vite, il montre le niveau de performance en fonction, ici, donc du stress. Vous avez trois périodes. Vous remarquez que la première période, le stress augmente et la performance augmente aussi. À ce moment-là, vous êtes l'amélioration des capacités, excitation, tout est bien. Lorsque le stress augmente encore, vous avez ce qu'on appelle un stress positif. Jusqu'à une certaine limite, ce stress positif, qu'est-ce qui se passe ? Il y a un optimum, c'est-à-dire un taux maximal qui est bénéfique des performances, ça augmente la concentration, on devient sensible, facile, tout est facile, le travail facile et un dynamisme. Et vous voyez la troisième période avec épuisement jusqu'à arriver à burn-out, c'est ce qu'on appelle le stress négatif. Un exemple de stress positif. Vous avez un dossier à préparer, un devis à préparer, hein, pour une entreprise quelconque, et vous êtes là, vous avez un stress, vous devez faire votre travail. Mais c'est un stress positif, parce qu'il ne va pas durer dans le temps. Le temps que votre travail est, surtout, il va être reconnu. On va reconnaître votre travail. Donc d'un côté, vous l'avez réalisé, avec de bons résultats, et de l'autre côté, il va être reconnu comme tel. C'est un stress positif. Oui. Monsieur Marac, j'ai un autre exemple. Il y a la différence entre le stress et le stress, E-U-S-T-R-E-S-S. Donc le stress, c'est du stress positif, c'est quand on a l'inspiration, la motivation, on devient plus créatif, justement à cause de tous ces hormones et ces neurotransmetteurs, et ça nous donne comme un push pour donc réaliser en un minimum de temps ce qu'on est censé faire. Là, je pense que c'est le stress positif aussi. Alors, voilà, donc on a parlé du stress positif, tout est bien. Là, on parle du stress chronique. Stress chronique, c'est un stress permanent. Là, on s'installe, on a peur des conséquences, vraiment, sur la santé. Et là, vous avez le syndrome métabolique, c'est-à-dire le métabolisme, toutes les réactions qui se produisent dans notre organisme. Métabolique, donc, l'hypertension artérielle, l'obésité abdominale. Hein, elle est liée au stress chronique. La résistance à l'insuline. L'insuline, c'est l'hormone donc, qui va réguler le taux de sucre dans le sang. Et lorsqu'il y a une résistance à l'insuline, l'insuline ne peut plus faire son travail et le sucre reste augmenté, la glycémie reste importante. Et au fur et à mesure, on va préparer ou s'installer dans le diabète.
Il y a aussi une perturbation du métabolisme des lipides sanguins, cholestérol, triglycérides. Donc vous voyez qu'on touche à la tension, à l'obésité, on touche à l'insuline, qui est très important, et ça touche aussi triglycérides et cholestérol. Alors, les maladies cardiovasculaires, elles touchent surtout les personnes à qui on demande une forte exigence de productivité, et ceux-là sont fréquemment exposés à ces pathologies. Donc, c'est comme... On attend d'eux. Alors, maintenant, les troubles musculo-squelettiques. Ce sont des troubles donc qui touchent le dos, les membres sup, de plus en plus souvent rapportés à une combinaison de risques, tels que les mouvements répétitifs, les efforts physiques, les stations postures inconfortables. Et docteur Samir Adnan va vous détailler cette partie des troubles TMS ou troubles musculo-squelettiques parce qu'il est spécialiste dans le domaine en tant que neurochirurgien. Alors, on a la dépression et l'anxiété. Cette dépression, donc, à cause du manque de soutien social, il ne trouve pas le soutien social ni chez les collègues et ni chez la hiérarchie. Des situations stressantes prolongées, des dépressions sévères qui peuvent atteindre même des idées suicidaires. D'autres conséquences, accidents de travail ou de trajet, et aussi, monsieur Adnan va vous en parler, docteur Adnan, il y a aussi des troubles chez la femme, des troubles de la fertilité, certaines pathologies de la grossesse à cause de perturbations hormonales. Là, le burn-out, on entend parler du burn-out. Qu'est-ce que c'est? Bon, c'est la fin de la fin, si vous voulez. Le stress chronique est installé, donc l'épuisement, l'investissement professionnel devient trop lourd. Alors, il y a trois dimensions. Épuisement émotionnel. Hein, l'individu ne ressent plus rien. Il est vidé de ses ressources émotionnelles. C'est comme un zombie, il est là. Deuxième dimension, la dépersonnalisation ou le cynisme. Qu'est-ce que ça veut dire? Déshumanisation par rapport à l'autre. C'est-à-dire on ne ressent plus rien, ni pour les usagers, pour celui qui est en contact, ni pour les clients, ni pour les patients. Ils deviennent tous des objets. Et enfin, sentiment de non-accomplissement du travail, c'est un sentiment de gâchis et une dépréciation des résultats. Alors, le salarié se pose des questions. Il est là, on est tous plus ou moins dans ce cas-là, dans ces cas. Ai-je l'expérience suffisante pour gérer cette situation? Suis-je assez formé? Puis-je faire appel à quelqu'un ou de plus expérimenté? Puis-je obtenir plus d'informations, plus de soutien? Alors là, comment il va réagir? Soit l'évitement, il va fuir la situation, il va demander un changement de poste, il ne se sent pas capable, soit des réactions émotionnelles, des crises de colère, de larmes, soit recherche de solutions. À ce moment-là, c'est beaucoup mieux. Sollicitation de collègues et autres. L'état. Alors, on peut parler de trois cas. Le premier cas, c'est le cas d'une infirmière, hein, surtout dans cette période de Covid où tout le monde a souffert. Qu'est-ce qui se passe? Une infirmière hospitalière. Alors, elle aime son travail, elle a choisi son travail, mais le fait de courir d'un lit à l'autre et de se rendre compte qu'elle ne fait pas correctement son travail, au fil du temps, elle se sent stressée, le stress s'installe, et puis après, qu'est-ce qu'elle fait? Elle aboutit à burn-out, et c'est fini, ça devient une maladie.
Le deuxième cas, c'est ce qu'on appelle la seconde victime. C'est quoi la seconde victime? C'est un médecin, là, comme le cas résident, bon, on peut dire, qu'est-ce qu'il a fait? Il a eu un malade en urgence, hein, il a fait passer un électrocardiogramme, mais il n'a pas su reconnaître les signes d'une tamponnade péricardique, c'est-à-dire que le cœur donc était en détresse. Alors, le patient est malheureusement décédé. Alors, on va le passer en jugement et on le dit comme quoi c'est une incompétence. Bien sûr, le médecin, il va stresser, il va passer par une sale période qui peut durer à vie. Et ce qui est embêtant, c'est que ses autres confrères, les autres résidents, vont se dire, mon Dieu, si je fais la même erreur, hein, je vais être dans son cas. Il n'a pas trouvé de sympathie de nulle part, et là, c'est embêtant. Alors, le dernier cas, c'est un cas quand même commun, c'est un salarié, hein, on l'a muté dans un secteur d'activité. Le patron ne voulait pas de lui, le nouveau patron, alors il lui mène la vie dure, et de jour en jour, il ne lui donne aucune liberté de travail. Il est écarté, et qu'est-ce qu'il fait en fin de compte? Il développe un burn-out et même une tentative de suicide, parce qu'il essaye de donner le maximum de lui-même sans contrepartie. Alors, comment agir en prévention? Alors, comment agir en prévention? Nous avons, en premier lieu, chose très importante, apprendre à mieux respirer. Apprendre à mieux respirer. On ne respire pas bien, tous. On ne sait pas respirer. On respire. La respiration est autonome, elle se fait seule. Mais normalement, il faut apprendre à respirer. Hein? Pourquoi? Alors, pourquoi on apprend à respirer? Parce que lorsqu'on respire d'une façon correcte, hein, une bonne inspiration, une bonne expiration, le cœur s'adapte à cette respiration. Et si on est... Pardon? La respiration, elle est naturelle? Elle est naturelle, oui. Mais nous, on doit... Un effort de plus. Un effort de plus, très bien. Un effort de plus pour pouvoir, lorsqu'on fait un effort de plus, une respiration, on va voir, et on va le voir dans l'atelier, une inspiration profonde, expiration profonde, le fait que la respiration, elle est plus ou moins ralentie, elle va avoir un effet de ralentissement sur le cœur. Le cœur, il n'y aura plus de palpitations, hein, au cours du stress, il va s'adapter à la respiration, d'où le confort, et là, on agir sur son rythme cardiaque en travaillant sa respiration. On le verra tout à l'heure. 5 secondes d'inspiration profonde, 5 secondes d'expiration profonde, et on verra cela durant 5 minutes, on fera ça. Il y a une autre façon de respirer, respiration donc des militaires, Super Navy et autres, les tireurs d'élite, qu'est-ce qu'il faut? La respiration 4-4, 4 secondes, hein, et durant 4 secondes, il inspire, durant 4 secondes, il expire. On va voir tout ça, mais nous, on fera la cohérence cardiaque, celle dont on a parlé en premier. Alors, d'autres méthodes pour déstresser, laquelle? Faire du sport. Alors, vous savez que faire du sport, c'est du panadol naturel. Vous avez mal à la tête, allez faire du sport. Pourquoi? Parce que le corps va sécréter des hormones qu'on appelle endorphines, ce sont des hormones de la bonne humeur. Hein, vous faites du sport, même si vous en faites 10 minutes, faites-le. Même si vous marchez, même si, je ne sais pas moi, des mouvements de bras, de faire un peu de sport, donc, et ça va détendre le corps et l'esprit. Et l'exercice régulier permet une amélioration des cycles sommeil-éveil, de l'humeur, de la sensibilité à l'insuline,
pour que cette hormone régule bien le taux de sucre dans le sang, ce qui peut aider à réguler la sensation de faim, à améliorer la confiance et l'estime de soi, et bien sûr à diminuer les risques de dépression ou d'anxiété. Bien dormir. Alors on se dit, ouf, je ne dors pas et puis je vais dormir le week-end. C'est faux. C'est faux parce que vous dormez, vous devez dormir 7 à 8 heures en moyenne. Hein, si une nuit on a dormi 6, c'est pas le lendemain, on ne doit pas le refaire. Donc bien dormir, avoir ces 7 à 8 heures de sommeil. Non, c'est pas trop. Non, c'est la moyenne. C'est la moyenne. Alors, autre solution naturelle. Hein, vous avez les infusions, hein, notre bonne tonotia. Vous avez aussi la camomille. Exactement, vous avez la camomille. Vous avez pourquoi? Qu'est-ce que... Alors, ces tisanes, elles vont réguler le taux de cortisol. On a vu, c'est l'hormone du stress. Donc, et il y a aussi s'octroyer des plaisirs, donc en dehors du travail. Il faut avoir le travail, le stress du travail qui doit être positif, mais aussi la détente. Parce que le fait d'avoir, de marcher dans la nature, de socialiser, d'avoir des amis. Il y a des fois où écouter même la voix d'un ami, d'une amie, d'une personne qu'on apprécie, elle augmente la sécrétion d'ocytocine qu'on appelle hormone du plaisir, hormone de l'amour, hormone, que ce soit l'amour d'un enfant ou l'amour d'un adulte, c'est pareil, c'est une sensation d'aimer. Le régime alimentaire riche en oméga 3, ce sont des acides gras qui sont bénéfiques pour la santé, tels qu'on les trouve dans les sardines, dans les anchois, donc dans les poissons bleus, dans le saumon. Ils sont excellents pour le cerveau. Et vous avez aussi, et le cœur, bien sûr, et vous avez aussi d'autres graisses qui sont bénéfiques, comme l'huile d'olive, les noix, les avocats, et enfin, écouter de la musique. Alors, vous aurez une surprise tout à l'heure, hein, en tant que musicothérapie, ce que la musique peut faire, vous le savez, alors pour aboutir à une détente. Et enfin, surtout appliquer la pensée positive. Hein, ne pas dire c'est foutu, non, non, il n'y a rien de foutu. Tout est bien qui finit bien, j'espère, mon Dieu. En tout cas, je vous remercie et je vous laisse. Je vous laisse, si vous avez des questions à poser. Oui. Il y a une différence entre le stress familial et social et oui. Le stress personnel. Oui, parce que il y a la vidéo là. Est-ce qu'il y a une différence entre le stress social et familial et le stress professionnel? Et quelle est l'influence de la stress familial sur le milieu professionnel et vice-versa? Voilà. Alors, le stress en tant que tel, c'est du stress. Le mécanisme est pareil. Les étapes sont pareilles. Hein, les hormones sont pareilles. Donc, que ce soit un stress familial ou un stress du niveau professionnel, c'est pareil. Mais, lorsque ça s'ajoute, quelqu'un qui est déjà stressé du côté familial et qui stresse au travail, là, si vous voulez, c'est doublé les raisons pour développer un stress grave. Donc, si vous voulez parler des mécanismes, c'est la même chose. Si vous voulez parler des conséquences, c'est la même chose. Mais si les deux s'ajoutent, quelqu'un qui a des problèmes personnels et qui vient et qui trouve des problèmes encore au travail, il va plus s'en sortir. Il peut projeter sur... Par exemple, si quelqu'un a des stress familial, il doit les projeter au milieu professionnel. Ah, j'ai compris. C'est-à-dire que j'ai compris ce que vous voulez dire. C'est-à-dire qu'il n'a pas de stress professionnel en lui-même. Il a juste un stress familial. Il va le projeter et ça va découler sur son travail. Ça va se voir. Oui, mais le résultat est le même. Le résultat est le même. Madame, d'après, excusez-moi, une lecture de votre... conférence, intervention, j'ai remarqué des photos d'hommes plus que de femmes.
Est-ce que, selon vous, les femmes sont attaquées plus par le stress et, ou bien le... Ah oui. Moi, je peux le dire. Les femmes, beaucoup plus. Pourquoi? Parce que les femmes n'ont pas que le travail. Les femmes ont leurs obligations familiales. Elles ont leurs enfants. Elles ont aussi, donc... l'homme, il a dit... Ah non, mais l'homme ne se fatigue pas beaucoup moins. Hein. Il se fatigue au boulot, mais pas à la maison. La femme, elle applaudit là. Ah oui. C'est vrai ou non? Allez. Ah non. Je vous assure, peut-être je fais malgré moi, mais les femmes quand même, il faut le reconnaître. Bah, c'est elle qui porte le bébé. Non, et c'est elle qui porte le bébé, et votre bébé, hein, votre enfant chéri. C'est elle. Le monsieur, oui, il n'y a pas mieux que lui, le père de famille. Mais la maman aussi, elle court, oui. Jusqu'à nouvel ordre, ce sont des femmes qui vont donner des enfants. Exactement, j'espère. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Madame, un petit exercice. Non, attends, je vais vous donner moi-même l'énoncé de l'exercice, ok? Oui. Alors, regardez, venez ici. Je sais bien que vous avez une très bonne expérience. En voyant tous ces hommes-là, oui, est-ce que vous pouvez détecter quelques-uns vraiment stressés? Pour les faire travailler beaucoup plus tout à l'heure. Un exemple, est-ce que peut, vous voyez les visages, les yeux? Qui ne sourit pas? Alors là, qui ne sourit? Ce monsieur, il n'est pas stressé? Ah non, ce monsieur. Jean-Paul, non? C'est la bonne humeur. Alors. C'est la bonne humeur. Pourtant, c'est un boss, hein, c'est un patron. Les filles ne sont pas. Non. Les filles, non. Alors qui? Peut-être moi? Non. Tout le monde sourit, là. Il y a peut-être. Non, moi je trouve que personne n'est stressé. Non, on est bien, on est en famille. On est en famille. Voilà. On n'est pas au boulot, on est bien, mais... On a dans un environnement agréable aujourd'hui, c'est bon, donc les gens... Mais moi, je vais leur proposer... Oui. Je vais vous proposer une question. Et celui qui va répondre à cette question de façon correcte, il aura un petit cadeau. Oui. C'est M. Zouhel qui nous l'a certifié. D'accord. Après, pour le cadeau, vous allez le voir. D'accord. Allez, la question. Alors, la question. Quelles sont les trois étapes du stress et quelles sont les hormones qui agissent dedans? Les trois phases du stress. C'est un peu difficile. Alors, c'est un peu difficile. Vous êtes médecin? Ah, très bien. Oui, alors allez-y. La première phase, c'est la phase d'alarme. La deuxième phase, c'est la phase... moi, je suis donc un bachelier d'action, donc je me rappelle un petit peu. Donc, je me rappelle la phase d'adaptation et non la phase de résistance, comme vous avez dit. Exactement. Et puis, donc, on a la résilience, puis l'épuisement. Bravo. Et les hormones maintenant? Les hormones, donc, on a. Allez-y. Vous avez tout retenu. La première hormone, donc, c'est... Quelle heure? C'est le stress. L'adrénaline, oui. Et la phase, au cours de la phase d'adaptation, la phase, comme j'ai dit, de résistance. C'est le cortisol. Bravo. On peut l'applaudir. D'où tu viens? Stepé Asfax. Qu'est-ce que vous faites? Société tunisienne de production alimentaire. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Je suis un responsable HSE. Ah, HSE. Qualité, c'est... Merci beaucoup. Merci. Attends, tu auras ton cadeau. Voilà. On applaudit. Très bien. Bien, je vous remercie. Si vous avez d'autres questions. Je suis désolée, tout à l'heure, je ne suis pas beaucoup occupée de vous. Ça vous a plu? Applaudissez donc. Ah. Alors madame, c'est ton. Wow. C'est le trophée, ok? On fait les photos par là.
Voilà.